Aujourd'hui, nous allons avoir une séance particulière parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, nous allons toucher un peu à des mystères qui font de nous des théosis. Théosis. Nous sommes des serviteurs de Dieu et vous savez, dans l'histoire de l'Église, ce que les musulmans font, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas inventé. Toutes les fêtes dans l'Église étaient des fêtes fixées selon le calendrier lunaire. N'est-ce pas? Parce que les anciens savaient que le monde est un. Et les astres, le cosmos ont un langage, ont une influence. S'il ne pleut pas, il n'y a pas de nourriture, les plantes sont affectées, n'est-ce pas? Ou bien, si le soleil est trop chaud, ou même, souvent, s'il n'y a pas de pleine lune, vous savez que ça empêche certaines espèces de se reproduire d'une certaine manière. Donc, il y a la spiritualité dans ces choses-là. Et parmi ces choses, la pleine lune, je vous ai déjà expliqué, comme vous voyez par exemple beaucoup d'orthodoxes refuser le calendrier grégorien, ou même refuser qu'il y ait des adaptations, parce que à ces calendriers-là sont fixés des éléments qui ont été laissés dans la tradition, soit par des apparitions de la Vierge depuis longtemps. Donc, toucher à ces éléments-là, c'est un peu comme si on déplaçait des principes spirituels. Voilà. Un peu comme si tu prends la clé de ta chambre pour aller mettre dans la porte du salon. Ça n'a pas marché. Ce principe spirituel est très important concernant les saints. Vous allez voir que vous pouvez prier saint tous les jours, mais le jour où l'Église est commémore, cela a un grand impact. Et c'est un peu la raison qui fait que les gens fêtaient Noël, le jour de la naissance, mais ce n'était pas le fondement de la foi. Le fondement de la foi, c'était Pâques, la résurrection et l'épiphanie, ou ce que nous appelons la théophanie, n'est-ce pas? C'est quoi cette date-là? Vous allez voir que beaucoup d'orthodoxes ne veulent pas bouger ça. Sinon, Noël, on peut s'entendre avec les frères romains. Voilà. Mais au niveau de Pâques, c'est difficile. Et au niveau de la théophanie aussi, c'est difficile. Alors aujourd'hui, nous faisons mémoire de ce que les orthodoxes appellent la flamboyante ascension au ciel du saint et glorieux prophète Élie le Tishbite. Mais attention, le mot ascension déjà n'est pas dans la pensée théologique orthodoxe trop exacte. C'est pourquoi les pères de l'Église, eux, ils disent, quand vous lisez les écrits, et vous le verrez par exemple dans la Vulgate, on dit « Élie est monté comme au ciel ». Parce que seule l'ascension de Jésus fait que la chair de l'homme peut monter au ciel. Et les pères disent par révélation que Élie n'est pas allé au ciel par l'ascension, ni avant lui, Enoch. Mais ils ont été élevés, gardés dans un lieu spirituel en attendant l'ascension de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, faisons la mémoire de la flamboyante ascension au ciel du saint glorieux prophète Élie le Tishbite. Et vous allez voir qu'en Orient, aujourd'hui même, on commémore également les prophètes Moïse, Aaron et Élisée. Alors, selon la sainte tradition des pères, donc aussi authentique que la sainte écriture que vous avez, il a dit que au moment de sa naissance, le père d'Élie va voir des hommes en blanc apparaître. Et dès que l'enfant est né, ces hommes en blanc-là, qui bien sûr sont des anges, vont l'envelopper de l'ange. C'est-à-dire les draps qu'on prend pour couvrir les bébés-là. Mais ces anges étaient des anges de feu.
Donc, ils vont l'envelopper de ces draps, si vous voulez, ou de ces bandes de feu, là. Mais c'était déjà pour marquer prophétiquement que Élie le prophète allait être le symbole du zèle divin qui allait, comme lui-même le dit dans le livre des rois, le dévorer pendant toute sa vie. Déjà, dès son enfance, il se signalait par une observance rigoureuse de la loi. Il se tenait toujours dans la prière devant Dieu. Sa virginité était une virginité impassible. Sa vie déjà jeune était caractérisée par un jeûne permanent. Il jeûnait, il jeûnait. Et une vie de prière ardente. Et tout cela fait que la prophétie et la touche divine qu'il avait reçue en son enfance, son âme est devenue comme du feu. Et c'est ça qui fait d'Élie un modèle de vie monastique et ascétique. Son histoire, selon les Écritures, selon le livre de Chroniques et le livre des Rois, connaît son point culminant au moment du roi Akab. Akab accède au trône de ce qu'on appelait le royaume du Nord, puisque vous savez que Jéroboam a été l'instigateur du schisme à cause du péché déjà de Salomon et de ses enfants après lui. Et Akab, qui était le roi du royaume du Nord, donc d'Israël, l'autre royaume était le royaume de Juda, va porter à son comble la bêtise spirituelle, l'idolâtrie, l'impiété. C'est-à-dire, sous son règne, la dépravation des mœurs, des perditions spirituelles vont être extraordinaires. Et ce qui faisait que Akab a vécu sous son règne un temps de folie spirituelle, c'était aussi l'encouragement de sa femme, Jézabel, l'exécrable Jézabel. Donc, Akab persécutait les prophètes. Akab faisait tuer tous les hommes qui voulaient rester fidèles à Dieu. Akab, avec Jézabel, s'adonnait au culte de faux dieux, notamment le dieu Baal et le dieu Astaté. Le prophète Élie va, devant tant d'idolâtrie et d'impiété, un jour aller trouver le roi Akab. Il va lui dire ceci. Je vous cite le livre des Rois et des Chroniques. Il dit, il vit le Seigneur Dieu des armées, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens aujourd'hui. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, si ce n'est par une parole de ma bouche. Ça veut dire que dans ce acte que nous allons faire, Dieu te donne l'autorité de déclarer, par exemple, que le sorcier, là, il va rester paralysé jusqu'à ce que toi tu dises qu'il puisse se lever. Et quand vous allez voir que Dieu lui-même était obligé comme de négocier avec Élie pour que Élie, qui était très nerveux, très coléreux, accepte d'annuler la malédiction pour qu'il pleuve. Reçois cette autorité sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à la parole du prophète Élie, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une terrible sécheresse qui va s'abattre sur le pays. Toutes les terres vont être desséchées. Tout va être dévasté. Et dans ces pays secs-là, vous savez qu'il y a la sécheresse due, le peu de forêt qui est là commence à brûler, comme actuellement en Europe. Alors les gens vont commencer à mourir. Hommes, femmes, enfants, animaux domestiques, bêtes sauvages, tout le monde mourait pour la raison évidente qu'ils n'avaient pas de nourriture. Toutes les sources également tarissaient. Toutes les plantes se flétrissaient. C'est comme si rien n'échappait à la colère de Dieu libérée par la bouche de son prophète. Mais Dieu a permis à Élie de relâcher cette malédiction pour que la famine amène le peuple d'Israël au repentir et à la conversion. Élie va recevoir un ordre du Seigneur. Parce que vous savez que Élie portait des vêtements de peau de mouton et le pagne était un pagne fait en cuir. Et c'est comme ça que Élie, sur ordre de Dieu, va quitter le royaume d'Israël et va se rendre au torrent de Kérit, Korat. Vous savez, quand vous allez en Israël,
la zone portuaire hein, d'Israël, là, c'est cette zone-là qu'on traverse pour aller sur la montagne d'Élie. Il y a une congrégation qui entretient les grottes et qui prie là-bas. Alors, Élie, dans cette grotte-là, qui était située au-delà du Jourdain, va s'abreuver de l'eau du torrent. Et regardez la pédagogie de Dieu pour amener Élie à être plus clément envers ses concitoyens ou bien ses frères. Dieu va lui envoyer des corbeaux pour le nourrir. Alors vous savez qu'en Israël, les corbeaux sont des animaux considérés comme impurs, n'est-ce pas? Mais en plus, il y a un aspect des corbeaux que souvent on ignore, c'est que les corbeaux sont des animaux qui sont caractérisés par leur cruauté, leur méchanceté envers leurs enfants, leur progéniture. Pour expérimenter la nourriture par ces animaux impurs, par ces corbeaux-là, qui le matin l'envoyaient du pain et la viande le soir, Dieu a fait ça aussi pour inciter son prophète, pour inciter Élie à la miséricorde envers le peuple qui souffrait. Alors, Élie va rester un peu impassible, mais je crois quand même qu'il a commencé à comprendre ce que Dieu voulait. Et la deuxième étape de la formation, Dieu va le conduire. Il va d'abord faire tarir le torrent. Il va l'envoyer chez une servante à Sarepta de Sidon. Et quand vous regardez bien sur la carte, c'est un long voyage. Mais Dieu permet ça pour que Élie se rende compte et qu'il observe tout au long du chemin de la route les effets désastreux de la sécheresse. Afin que Élie puisse être animé d'une compassion et qu'il puisse inverser et relâcher la parole qui allait guérir la nature et en même temps guérir le peuple. Donc Élie constate tout ça et il arrive chez une pauvre femme, une femme païenne, parce que ce qu'il faut dire que cette femme, c'est une femme païenne à Sarepta. Et cette femme, dit l'Écriture, est en train de ramasser du bois pour faire cuire du pain pour elle et son fils. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va permettre, puisque vous vous souvenez que c'est Dieu qui a dit à Élie, va vers quelqu'un à qui moi j'ai ordonné qu'il te nourrisse. Élie qui ne voulait pas que Dieu revienne, pour lui c'était trop tôt, 3 ans, il fallait encore qu'il souffre parce que Jézabel était encore là. Et d'ailleurs c'est pour ça que disent les pères de l'église, quand il a fini de tuer les prophètes, Dieu a enlevé sa grâce. Quand Dieu a enlevé sa grâce sur Élie, c'est là qu'il a commencé à avoir peur puis il a fui. Quand Dieu enlève sa grâce sur vous, mon Dieu, ça fait peur. Élie a dû marcher dans le désert, cherchant la mort, criant à Dieu, que Dieu envoie l'ange lui donner l'Eucharistie pour le fortifier. Donc Élie rencontre cette femme, va être un modèle pour lui, va placer avant toute chose les devoirs de l'hospitalité. Et dès que le prophète va lui demander de lui préparer une galette avec la farine et l'huile qui restait, elle va le faire. Et bien sûr, elle va recevoir sans retard la récompense de son hospitalité. Élie va dormir chez la femme, n'est-ce pas? Cette femme de Sarepta, là. Et les jours qui vont suivre, son fils va mourir. Mon Dieu. Et la femme, dans sa douleur, va accuser l'homme de Dieu d'avoir porté le malheur dans sa maison. Mais Élie va prendre l'enfant, va monter à l'étage où on avait logé, et il va souffler à 3 reprises sur le corps inanimé de l'enfant en invoquant l'Esprit de Dieu. Parce qu'après cet épisode-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer Élie auprès d'Akab, n'est-ce pas? Quand Élie va ressusciter l'enfant de la veuve, Dieu va envoyer Élie auprès d'Akab. Et tout ce processus que Dieu a vécu avec Élie, c'est de lui faire prendre conscience encore de la miséricorde. L'enfant qui meurt, c'est la miséricorde de Dieu qui ramène cet enfant-là. N'est-ce pas? Donc, quand Élie va comprendre, va accepter maintenant d'aller auprès d'Akab. Parce que Élie, il y a un autre de ses collègues de la même manière de penser. Si vous regardez, quand vous regardez bien, c'est quel prophète? Jonas. Et si Dieu a dit va détruire, pourquoi après va revenir dessus? Non. Élie fonctionne comme Jonas. C'est pourquoi Élie ne se mêlait pas aux gens. Vous voyez, quand vous regardez bien le cycle d'Élisée, Élisée avec le peuple. Élisée, c'est le prophète du peuple. Il avait les gens, il mangeait les gens. Il avait les gens construits à labourer, à faire tout. Mais Élie, il est quelque part dans la montagne. Élie n'a même pas serviteur, à part Élisée après.
Donc, c'est très, très important de le savoir. Alors, quand Élie va comprendre que, comme Dieu le dit, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse, n'est-ce pas, qu'il vive. Élie va aller voir maintenant le roi Akab pour lui annoncer que le fléau va bientôt cesser. Et Akab va être étonné parce qu'il cherchait Élie depuis des années. Chaque fois qu'on dit Élie est là-bas, il arrive. Vous souvenez des Écritures, non? Élie disparaît. Donc, par cette action prophétique-là, tout ennemi qui veut mettre la main sur toi, tu disparaîtras au nom de Jésus. C'est-à-dire, dans tous les couvents, partout, ils vont vouloir te mettre. Là, ils vont vouloir t'attaquer, ils ne vont pas te trouver là-bas. Tu vas aller échapper comme ça. Voilà, ça, c'est le mystère aussi d'Élie. Pourquoi on l'invoque? Akab va être étonné que son ennemi qui cherche depuis longtemps apparaît devant lui. Et il va inviter le roi à rassembler pour une confrontation les 400 prophètes de Baal et d'Astaté qui mangeaient à la table de Jézabel et avec tout le peuple. Et regardez la parole qu'Élie va dire au peuple. Je vous demande de retenir cette parole-là. Bon, jusqu'à quand boiterez-vous sur les deux jarrets? Si le Seigneur est Dieu, allez à sa suite. Si c'est Baal, allez à sa suite. Il faut prier avec les paroles d'Élie. Hein. C'est verset, vous priez avec ça. Donc, quand Élie va dire cette phrase, c'est là qu'Élie va demander qu'on apprête les deux taureaux pour le sacrifice et les placer sur le bûcher. Mais ça allumait le feu. Et il va laisser les faux prophètes sacrifier les premiers. Et comme dit l'Écriture, ils vont crier à leur Dieu Baal. Et ils vont se déchirer même la peau. Ils vont se lacérer la peau à sang du matin jusqu'à midi. Et Élie va se moquer d'eux. Ça veut dire que cette action prophétique-là, par la foi, je crois que si nous la faisons automatiquement, notre seule présence rend inactif tout le pouvoir des sorciers. Ça veut dire ce soir et toute cette journée en demandant la grâce d'Élie, c'est une grâce pour que vous ayez ce qu'on appelle la grâce de la présence. Donc Élie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent vous pouvez mal lire ces textes-là. Les dieux de Baal là, et d'Astaté, c'était des démons qui faisaient descendre le feu. Hein. Voilà, ça aussi il faut le savoir. Donc la présence d'Élie, le charisme de présence fait que aucun esprit ne peut décoller quand vous êtes là. Aucun maçon ne peut opérer dans leur système de contrôler les gens qui sont là. Il ne peut pas. Et vous allez voir que si vous êtes à la réunion, vous êtes très nerveux, très agité. Et la réunion qui va faire 3 heures, va faire 1 heure. Parce qu'il ne peut pas soumettre l'esprit des gens. Ils ne pourront pas. Alors Élie va se moquer de Baal, il a dit, criez plus fort. Peut-être qu'il s'est endormi. Ou bien il est occupé à d'autres affaires. Mais quand l'heure du sacrifice du soir est arrivée, Élie va ériger un autel. Alors Élie va demander qu'on apporte 2 taureaux. Et il va ériger un autel avec 12 pierres. Qui représentent les 12 tribus d'Israël. Élie a été amené à venir contempler celui qu'il a adoré sans le connaître, avec Moïse. Alors il va creuser un large fossé autour de l'autel. Il va placer son taureau qui va dépecer. Et ils vont verser à 3 reprises de l'eau. Élie a poussé un grand cri vers le ciel. Il va invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand le feu va descendre, bien sûr, les prophètes vont être égorgés, les faux prophètes du Baal. Là. Et Élie va les égorger de ses propres mains au tournant de Kisson. Et il va annoncer à Akab, là où c'est intéressant, il va annoncer à Akab que la sécheresse allait bientôt cesser. Et puis il va monter au sommet du Carmel, il va se pencher vers la terre, la tête entre les genoux et l'intelligence rassemblée dans son cœur, il va se mettre à prier. Alors bien sûr, quand Jézabel va apprendre le massacre de ses prophètes, elle va rentrer dans une colère violente, elle va jurer de se venger. Voilà. Et Élie, qui n'avait pas craint la foule des prophètes de Baal, je vous ai dit, à cause de son manque de compassion, Dieu va lui faire expérimenter la solitude spirituelle. Élie va être abandonné par la grâce de Dieu. Et Élie va commencer à avoir peur. Élie va s'enfuir à Bassabé dans la terre de Juda. Il va marcher dans le désert pendant longtemps. Il va être épuisé. Il va s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Il va demander à Dieu de reprendre sa vie. Un ange va lui apparaître. Il va lui présenter une galette de pain et une cruche d'eau. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le signe de l'Eucharistie. Et quand Élie va manger, il va boire, automatiquement, il va avoir des forces. Parce que Dieu venait d'assister divinement et la peur va le quitter. Voilà. C'est pourquoi l'Eucharistie, c'est la nourriture de Dieu. Vous savez, ne ratez pas un jour d'Eucharistie. Donc Élie va
être revigoré par l'Eucharistie et il va marcher 40 jours dans le désert jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Et quand il était dans le rocher, c'est là que Dieu va s'adresser à lui. Et il va répondre, je suis rempli du zèle jaloux pour le Seigneur Tout-Puissant, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, abattu tes autels et tué tes prophètes. Je suis resté tout seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Et Dieu va lui ordonner de sortir, de se tenir sur la montagne pour le voir. Et là, il va voir un violent ouragan qui va fondre des montagnes, qui va briser les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, on va percevoir le bruit d'une brise légère. Et dès qu'il va entendre, Élie va se voiler la face de son manteau. Il va se tenir sous la grotte car Dieu était dans la brise légère. Les pères de l'Église disent que cette brise légère, en fait, c'est la symbolique de l'incarnation. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien, avant l'arrivée de Jésus, il y a eu Moïse qui a divisé la mer, n'est-ce pas? Élie qui a fait descendre le feu. C'est tout ça qui est symbolisé par son expérience. Vous comprenez, non? Mais Jésus est venu comme un tout petit enfant, discret, la brise légère. Voilà, donc la brise légère, c'est l'anticipation de l'incarnation. Donc c'est supérieur à ce que les orthodoxes appellent la théophanie terrifiante. Vous voyez, Daniel l'a vu, il voit le feu, Élie aussi l'a vu, Ésaïe, Jean aussi dans le livre de l'Apocalypse, etc. Tout ça là, on voit Dieu qui se manifeste par le feu, par toutes sortes de prodiges. Mais là, il vient à Élie dans la brise légère. Dieu va dire à Élie, il y a 7000 autres Israélites qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Et Dieu va demander à Élie de se retourner par le même chemin et d'aller conférer l'onction royale à Azaël comme roi de Syrie, l'onction à Jéhu comme roi d'Israël et puis d'aller loin d'Élisée pour successeur. Et c'est là qu'il va trouver Élisée en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Vous savez qu'il était très très riche, hein? 12 paires de bœufs, mon Dieu. Et Élisée va jeter son manteau et va être son disciple. Mais malheureusement, le roi Akab va continuer à commettre des actes d'impiété. Vous avez vu, Élie a reçu le pouvoir d'aller oindre qui? Azaël, comme roi de Syrie. C'est-à-dire de sortir de sa sphère de domination normale. Azaël en Israël, Jéhu comme roi d'Israël, puis d'oindre Élisée pour successeur. Mais pourquoi je parle d'aider, de donner l'argent des plus faibles? Quand vous devez crédit à quelqu'un, parce que vous êtes plus fort que la personne, c'est-à-dire que toi, tu as payé la servante, tu payes à 30 000, honte à toi. Et après ça, tu vas lui demander, aide-moi 10 000 francs, puis depuis pour lui donner ces 10 000 francs là. Mais, tu es en train de sacrifier Naboth. Vous savez, il y a des choses, il ne faut pas jouer, il y a des malédictions, la malédiction de Naboth là. Dieu ne joue pas quand on joue à les plus faibles. C'est-à-dire que tes enfants mangent dans quelque chose, puis les servantes mangent dans plastique. Tes enfants dorment dans la chambre, et les servantes dorment dans quelque chose. Évitez ce que vous ne pouvez pas supporter après. Parce que ça là, Dieu va permettre que ça arrive à vos enfants. Donc, ne jouez pas à Naboth. Votre servante, c'est Naboth. Votre gardien, c'est Naboth. Votre employé, c'est Naboth. Ne jouez pas à Naboth, hein. Le plus faible, là, ne jouez pas avec eux. Et quand vous regardez le cycle d'Élie, vous voyez que, à un moment donné, on ne parle pas d'Élie, hein. C'est comme si Élie s'était tué. Il attendait un signal prophétique pour libérer la dernière prophétie sur Akab et sa femme. C'est quand il y a eu l'histoire de Naboth que Dieu dit, Élie, lève-toi. Voici la goutte d'eau, va. Et c'est là qu'il a dit cette parole-là. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Et les prostituées se vautreront dans ton sang. Donc il a annoncé comme ça que le malheur allait s'abattre sur la maison d'Akab. Et que les chiens allaient dévorer le corps de Jézabel sur le mur d'Israël. Mais l'avantage d'Akab, qu'est-ce qu'il a fait? La repentance. Ça, tu te rends compte que Dieu est bon. Hein? La Bible dit que quand Akab a vu ça, Akab va commencer à se repentir. Il va déchirer ses vêtements. Il va se revêtir d'un sac. Il va observer un jeûne. Et le Seigneur va regarder. Il y a quelqu'un comme ça qui a tué des gens, comme sa femme Jézabel. Le Seigneur va regarder avec faveur son repentir. Il va annoncer par son prophète qu'il ne donnera libre cours à sa collègue que sous le règne de son fils. Akab va mourir, après son fils Ocosias va venir, un fils superstitieux, vous savez, celui qui est tombé malade. Et puis alors qu'il y a un prophète dans le pays, là, lui il envoie ses gars aller chercher des féticheurs.
La Bible dit qu'il envoya des messagers en quête d'un oracle auprès de Baal Zéboul à Écron. Et le prophète Élie va se présenter devant les messagers. Il va annoncer que le roi ne va pas se relever. Et quand ils vont transmettre ce message, en donnant la description du prophète, le roi va comprendre qu'il s'agissait d'Élie. Et c'est ce roi-là qui va envoyer ses gars pour attraper Élie, pour casser Élie, pour... Les Akans disent, quand t'envoies, ça va t'envoyer là, c'est ça. Lui, il est arrivé zèle, militaire. Au nom du roi, descends. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te braise. L'officier qui commandait la troisième cinquantaine, hein, lui, quand il est arrivé, lui, il devait être un chrétien. Il va d'abord enlever ses galons là-bas, se jeter, pardon, que ma vie... Il a dit que ma vie et la vie de ces soldats-là te soient précieux. Pardon, Élie. Faut nous tuer. Et l'Esprit de Dieu dit, voyez le pouvoir de la repentance. Acab, Dieu lui a pardonné. Quand ce gars-là, il a vu la mort de ces deux autres-là, son attitude a fait que Dieu a dit, l'Esprit de Dieu a dit à Élie, descends avec lui. Va trouver Acab, mon Dieu. Donc, c'est là que Élie va lui dire, tu vas mourir. Parce que tu as eu recours à un faux Dieu. Tu as eu recours à des dieux, à des démons. Et son frère, Joram va devenir roi à sa place. Et pendant les 12 années de son règne, son frère au moins va être intelligent. Il va faire supprimer le culte de Baal, mais malheureusement, il ne va pas mettre fin au péché de Jéroboam. Et ce péché essaie de maintenir les hauts lieux, l'idolâtrie toujours. C'est-à-dire, n'acceptez pas qu'il y ait un autel dans vos familles. S'il faut raser la maison même. Voilà. C'est-à-dire, on dit non, l'arbre là, puis l'arbre là. Il faut couper l'arbre là. Non, on allait embouter, donc non, il faut couper. Une maison, on dit non, c'était la maison du fétiche, tout ça là. Maintenant, on a faut raser maison là. Donc lui, c'était son problème. Il a laissé les foyers d'idolâtrie. Donc Dieu aussi a amené le malheur encore sur sa maison. Et Jéhu va prendre le pouvoir selon la prophétie d'Élie. Il va avoir une conspiration contre ce roi là. Et c'est lui, Jéhu, qui va tuer Jézabel. Il va faire sauter Jézabel depuis une fenêtre. Et comme il avait dit, son sang, le sang de Jézabel va éclabousser le mur et les chiens vont dévorer son corps avant que les gens puissent l'enterrer. Donc, quand Élie a fini d'accomplir son ministère prophétique, il va se rendre à Bethel, accompagné d'Élisée, qui refusait de le quitter. Et comme il va arriver vers Jéricho, il va arriver sur la rive du Jourdain, Élie va prendre son manteau en peau de mouton, qu'on appelle Melotte. Il va rouler, il va frapper les eaux qui vont se diviser pour les laisser passer à pied sec. Et Élisée va lui demander de recevoir la douce part de son esprit prophétique. Élie va lui répondre, si tu me vois pendant que je serai enlevé au ciel, il en serait ainsi pour toi. Ça veut dire que tu me vois comme ton père. Ce serait très, 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 très important. Comment tu vois? Donc Élie dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé au ciel, il en serait ainsi pour toi. Comment tu regardes les anciens? Élisée lui a demandé de recevoir la double onction. La double onction, là, pour être Élisée, là, il faut avoir le tempérament de Josué. Il faut suivre. Parce que les gens disaient qu'Élie était méchant, dur. Quand il marchait dans le désert, pour terminer, le char de feu va apparaître. Les chevaux flamboyants vont apparaître. Élie va monter dans le char, il va être emporté comme au ciel. Voici comment les anciens appellent ça, la montée d'Élie. Comme au ciel. Ce n'est pas encore l'ascension. Parce que celui qui a fait l'ascension, c'est Jésus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans un tourbillon, Élie criait, Père, 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 chat d'Israël, son attelage, il a vu comme son père. Voyez, non? Voilà. C'est très, 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 très important. Alors, il va saisir le manteau du prophète qui était tombé sur à terre. Il va frapper les eaux à deux reprises. Il va traverser le Jourdain. Et quand les fils des prophètes vont le voir, ils vont dire, l'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. Donc, vous comprenez que le prophète Élie, pour terminer, il préfigure l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son manteau, disent les pères de l'Église, qu'il a laissé tomber à son disciple Élisée, annonçait la descente du Saint-Esprit. Ouais, Jésus monte et il envoie l'Esprit Saint. Et c'est le même mouvement. Donc Élie et Élisée préfigure ce que le Seigneur allait faire pour nous le jour de la Pentecôte. Et c'est pourquoi Élie, elle est vraiment le représentant éminent de l'ordre prophétique. Il est vraiment arrivé au sommet de la vertu par son zèle. Et Élie, je le disais tout à l'heure, a été jugé digne de voir face à face la gloire du Dieu incarné. Et tous ont souhaité le voir. Mais eux, ils ont eu la grâce de voir ça. C'était Moïse et les apôtres. Et c'est très important de savoir.
Et voyez que ça aussi c'est le Talmud, mais c'est aussi la foi chrétienne. Hein. Il est dit que Élie, lors de du second avènement du Christ, Élie va venir avant la résurrection des morts pour établir toutes choses. N'est-ce pas? Ce sont les prophéties qui enseignent ça. Et quand Jean-Baptiste va venir, Jésus va dire, Élie est déjà venu, mais ils n'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. Il faisait allusion à Jean-Baptiste, c'est pas ça? Voilà. Mais la second avènement là, Élie va venir encore. Parce que Jean était le précurseur du premier avènement du Christ. Élie sera selon les pères de l'Église le précurseur du second et glorieux avènement du Christ à la fin des temps. Voilà, c'est pourquoi, pour nous spirituels et cette famille de prophètes, c'est important de célébrer ce serviteur de Dieu là. Alors avant la bénédiction, nous allons faire comme dans le cas des exorcismes, des prières, et nous allons prier pour tout le monde et nous allons demander que Dieu agrée vraiment nos prières. Demandons, pendant que nous avons les bras levés, que Dieu nous purifie, que chacun demande que Dieu le purifie, que Dieu enlève la poisse, la misère, les envoûtements, les malédictions. Que Dieu enlève tout cela. Que Dieu enlève les maléfices, les mauvaises œuvres, toutes les flèches qui nous ont été envoyées, les mauvaises odeurs spirituelles. Que Dieu enlève cela. Et nous allons vous encenser pour que cet encens qui a servi à encenser de Christ et qui est chargé des pouvoirs spirituels, nous demandons à Dieu tout ce qui est mauvais, les flèches qui nous ont été envoyées, les odeurs spirituelles, les ordures, que Dieu enlève ça au nom de Jésus. Vous venez et pendant que je vous encense, croyez que Dieu nous a restaurés. N'oubliez pas que c'est notre instrument de délivrance. Il y a certains exorcismes où l'évêque utilise l'évangéliaire. Et vous avez vu que pendant les ordinations, on met l'évangéliaire sur la tête de l'évêque, n'est-ce pas? C'est le signe le plus accompli, c'est la parole de Dieu dans sa forme la plus puissante. Donc ce que vous allez faire, c'est que chacun va venir, vous toucher, vous demander, voici comment vous priez, que la parole de Dieu qui est éternelle vienne dans ma bouche et dans mon cœur. Voilà, c'est Josué que les orthodoxes affirment que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Nous sommes à une heure de grande délivrance. La parole de Dieu doit venir dans ton cœur, dans ta bouche pour combattre tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Que la parole soit dans ma bouche et dans mon cœur. Que la parole soit dans ma bouche et dans mon cœur. Un troisième symbole, c'est la croix. Nous allons venir, nous nous prosternons légèrement devant la croix et nous embrassons la croix. Pour dire que dans le règne de l'esprit, en toutes les nuits, nous ne sommes pas soumis à autre chose que la croix de Jésus. Voilà, tout esprit qui veut nous faire adorer autre chose, nous faire manger autre chose, nous ne sommes pas intéressés. En cette nuit, nous sommes en train de donner un message prophétique. Parce que l'esprit de Dieu parle par symbole et les esprits opèrent par symbole. Au moment de la présentation de l'offrande de l'île, le prophète s'avança et dit Éternel, ensemble,
Éternel Dieu d'Abraham. Éternel Dieu d'Abraham. D'Isaac. Isaac. D'Israël. D'Israël. De Pierre. De Pierre. De Paul. De Paul. De Jean. De Jean. Et de Jacques. Et de Jacques. Que l'on sache aujourd'hui dans ma famille. Que l'on sache aujourd'hui dans ma famille. Que tu es Dieu dans ma vie. Que tu es Dieu dans ma vie. Que je suis ton serviteur. Que je suis ton serviteur. Et que toutes ces choses que je fais. Et que toutes ces choses que je fais. Je le fais en ton nom et par ta parole. Je le fais en ton nom et par ta parole. À cette heure de la nuit. À cette heure de la nuit. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi. Afin que tous mes ennemis. Afin que tous mes ennemis. Sache que c'est toi, Éternel. Qui est Dieu. Que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Que c'est toi qui ramène le cœur de tous les sorciers de ma famille. C'est toi qui ramène le cœur de tous les sorciers de ma commence famille. À prier, demande cette grâce là. Demande le feu. Détruis tous les idoles de famille. Tous les autels. Oh Eli. Oh Eli. Ange en chair. Nous t'invoquons comme tu l'as fait, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Feu de Dieu. Oh Dieu d'Élie. Oh Dieu d'Élie. Toute personne, toute personne qui se dresse entre moi, qui se dresse en moi, et la promesse de Dieu, et la promesse de Dieu, est déclarée ce soir être un Baal, est déclarée ce soir être un Baal, dans la société où je travaille, dans la société où je travaille, dans ma famille, dans ma relation, tous les Baals auxquels je fais face, tous les Baals auxquels je fais face, dans mon mariage, ma belle-mère, les belles-sœurs, les belles-sœurs, les beaux-parents, les beaux-parents. Tous ces Baals. Tous ces Baals. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu d'Élie. Dieu d'Élie. Toi ange en chair. Toi ange en chair. Envoie ton feu. Envoie ton feu. À mon bien-être, aux constructions de la paix de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Oh Dieu de sang, Dieu de lit, ange en chair, descends et consume-le à cette heure de la nuit. Tous ceux qui volent, tous ceux qui, pendant que je dors, planifie des choses. Consume-le, Dieu de lui. Fais descendre ton feu sur mon sacrifice. Que ton feu descende en ce jour. Donne-moi le résultat de lui. Donne-moi de faire ce qu'il y a à faire. Sur tous mes ennemis. Pendant que j'accomplis les œuvres de lui. Pendant que je fais ce qu'il y a à faire. Eli, ange en chair. Fais descendre le feu sur mon taureau que je place sur le terre de ma vie. J'invoque le nom de Dieu. Fais descendre le feu que ma carrière, que mes affaires, que mes relations, que mon mariage, que mes papiers, que mon voyage. Oh Dieu de l'île, réponds-moi. Fais descendre ton feu sur cet autel. Agrée mon sacrifice. Agrée mon holocauste. Connecte ma vie à ce sacrifice. Que ce sacrifice me connecte au surnaturel. Comme Abraham a fait descendre le feu sur son sacrifice. Comme Salomon a fait descendre le feu sur son sacrifice. Oh Dieu d'Élie. Ange en chair, fais descendre le feu. Que ce soir soit le temps de Dieu. Réponds-moi, Éternel. Alléluia. Feu du Saint-Esprit, 3 fois de 3. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi. Afin que ce peuple. Afin que ce peuple. Reconnaisse. Reconnaisse. Que c'est toi, Éternel. Que c'est toi, Éternel. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Et que c'est toi. Et que c'est toi. Qui ramène le cœur. Qui ramène le cœur. Oh Dieu. Oh Dieu. Quand Élie a dit ces paroles. Quand Élie a dit ces paroles. Ton feu est tombé. Ton feu est tombé. Et a consumé l'holocauste. Et a consumé l'holocauste. Le poids.
les pierres et la terre et absorber l'eau qui était dans le fossé. Oh Dieu d'Élie, fais descendre ton feu dans les eaux de famille dans la forêt sacrée dans la montagne sacrée sur tout esprit de sorcellerie sur tout fétiche de famille sur tout hôtel de famille adoration de famille masse de village Oh Dieu d'Élie repos par le feu envoie ton feu de restauration. Alléluia. Les pères vont prendre l'eau bénite. La Bible dit que Élie a demandé qu'on répande l'eau 3 fois, n'est-ce pas? Et ici même, je vous ai dit que l'eau symbolise quoi? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et en le répondant 3 fois, il invoquait le Dieu de la Trinité. Et l'autel, si vous ne savez pas, c'est un autel qu'on vient de dresser là. C'est-à-dire c'est un lieu de communication avec les esprits. Et c'est pourquoi ça a été activé en cette nuit du combat spirituel. Ils vont verser cette eau sacrée sur le feu, notre sacrifice, 3 fois. 1, 2, 3. On acclame le Seigneur très fort. Ainsi soit-il. Nous déclarons toutes les œuvres de nos ennemis anéanties au nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donné de lier et de délier, toutes les promotions sont déclarées ouvertes. Tous les mariages sont déclarés ouverts. Tous les enfantements sont déclarés ouverts. Tous les papiers, les voyages sont déclarés ouverts. Tous les financements sont déclarés ouverts. Tous les comptes en banque sont déclarés ouverts. Tout ce que tu attends est déclaré ouvert. Commence à prophétiser sur ta vie. Sois le prophète de ta propre destinée. Oh Seigneur, merci. Sois le prophète de ta propre destinée. Alléluia. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur très fort.